Et le jeûne, comme on a l'habitude de le dire, le musulman ne fait pas le carême. Non. Mais le musulman jeûne le mois de Ramadan. Exactement. Et le Ramadan est le seul mois dont le nom est mentionné dans le Coran. Exactement. Et c'est pendant le Ramadan que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit pour la première fois la révélation du Coran. Non. Et sourate 2, verset 183 et suite. Vas-y. On va le lire. Vous allez comprendre que sourate 2, verset 183. Même Jésus, la paix de Dieu soit sur lui, Moïse, la paix de Dieu soit sur lui, tous les prophètes, ils jeûnaient. Exactement. Mais ils ne faisaient pas le carême parce que les Écritures saintes nous parlent du jeûne. Non. Le musulman jeûne une période de 29 ou 30 jours. Exactement. On a déjà dit comme ça qu'un musulman ne jeûne pas 30 jours, non. Mais il jeûne une période de 30 jours. Exactement. Donc nous jeûnons une période pendant les 30 jours. Non. Sourate 2, verset 183 et suite. Exactement. Vas-y. Oh les croyants. On vous a prescrit Assia. Micro. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit Assia. On vous a prescrit Assia, le jeûne. Comme on a prescrit à ceux d'avant vous. De la même manière que Allah a prescrit à ceux qui ont vécu avant vous. Ainsi atteignez-vous la piété. C'est ainsi que vous allez atteindre la piété. Exactement. Pendant un nombre déterminé de jours. Pendant un nombre de jours déterminé. Vous voyez, il y a un nombre de jours dans lequel une période dont on doit gêner. Exactement. Allons-y. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage. Quiconque d'entre vous est malade ou est en voyage. C'est qu'un ulcère là. Il va jeûner un nombre égal d'autres jours. Si tu es malade pendant le mois de Ramadan ou pendant que tu dois jeûner et que tu es guéri après, tu peux rembourser. Hein, le jeûne, tu peux rembourser. Ou si tu es en voyage, notre cheikh, on a un cheikh qui disait comme ça récemment, il dit, celui qui voyage ne doit pas jeûner. Mais en même temps, celui qui c'est son travail de voyager matin, midi, soir, lui, il doit jeûner. Exactement. Parce que lui, c'est son travail. Mm-hmm. Mais moi, qui dois voyager d'Abidjan jusqu'à Bouyani ou à Bon dans mon village, je ne dois pas jeûner pendant le trajet. Mm-hmm. Mais celui qui est le chauffeur du car, lui, c'est son travail, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Mm-hmm. L'imam disait comme ça que lui, il doit jeûner. Exactement. Alors, Alam, continue. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter. Pour celui qui ne peut pas jeûner. Avec grande difficulté. Avec vraiment grande difficulté. Vraiment, il n'y a pas de possibilité. Ça dit, son ulcère est trop c'est fort. C'est trop fort. Mais, et puis, quand tu as un ulcère, mais où il est. Dès que tu es bien, Ramadan, là, lui, son ulcère, on va jouer. Allah dit quoi? Allah dit quoi? Il y a une compensation. Il y a une compensation. Non. Tu ne peux pas jeûner? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Vas-y. Nourrir un pauvre. Tu dois nourrir un pauvre pour remplacer ton jeûne. Exactement. Allons-y. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré? Si tu as nourri le pauvre, nous allons à ce cas-là donner. Et puis tu as augmenté même, tu as ajouté même encore. Mm-hmm. C'est pour lui. C'est pour ton bien que tu le fais. Vas-y. Mais il est mieux pour vous de jeûner. Il est mieux pour vous de jeûner. Si vous saviez. Voilà, et si vous le saviez. Voilà. Si tu es malade. Non. Il décède. Mais il faut nourrir un pauvre. Mais si tu peux, voilà, si tu jeûnes, c'est ce qui est mieux pour vous. Voilà. Allah dit, il est mieux pour vous de jeûner si vous le saviez. Si vous le saviez. Les anges ne peuvent pas compter la bénédiction du Ramadan du jeûne. Jamais. Parce que si au fond intérieur de toi, tu n'as pas jeûné, ou bien il y a des choses qui peuvent gâter le jeûne, peut-être que les anges ne le savent pas. C'est pourquoi les ulémas nous disent c'est Allah seul qui comptabilise le jeûne.